z Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Yamina Benhamed Dao qui vient de publier aux éditions Gallimard, collection L'Arbalète à la Machine. Bonjour Yamina. Bonjour Sonia. Merci d'être avec nous pour cette édition en ligne du festival Effraction. Dans À la Machine, vous nous racontez l'histoire de Barthélemy Timonier, l'inventeur de la machine à coudre, l'inventeur inconnu, ignoré de la machine à coudre. Quand vous l'avez découverte, Qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'histoire de, de cet homme Dans une interview, vous avez dit :« Barthélémy Timonier m'a eu par les sentiments. Je n'ai pas pu rester insensible à cet enchaînement de désastres qui a rythmé sa vie. » Et c'est vrai que le mot guigne revient plusieurs fois dans, dans le roman. Oui, absolument. Euh, c'est euh, vraiment, euh, je pense, à un moteur euh, ouais, sentimental qui a, qui a éveillé un désir euh, un désir d'écriture, d'abord. Parce que d'abord il y avait un désir presque affectif parce que c'était lié à une conversation avec ma mère autour de sa singère qui est là de, qui est au centre de, de notre salle à manger depuis extrêmement longtemps et, et au détour d'une conversation dont je parce que je lui demandais où elle avait eu cette, cette, cette machine et comment elle est arrivée là tellement elle était immense etc que je me suis posé la question en effet de savoir si singère était bien cet inventeur et puis qui il était et là j'ai découvert Finalement, que ce n'était pas du tout saint euh, l'inventeur de, de, de la machine à coudre, que, que, que c'était une escroquerie commerciale. <laughs> et euh, je suis donc tombée sur l'histoire de la machine à coudre, qui est une petite biographie écrite euh, par Messin, qu'on trouve sur le site de, de, de Gallica. Et, euh, et en quelques pages, on, voilà, on découvre, euh, parce que c'est un, un texte qui était destiné en fait, aux députés à l'époque, euh, en 1870, euh, à a doté euh, sa, sa femme Madeleine euh, d'une bourse pour terminer sa, sa vie, parce qu'elle était, euh, était extrêmement euh, misérable. Et là, j'ai découvert en quelques pages, en effet, euh, la vie absolument euh, désastreuse de cet inventeur, qui est euh, donc l'inventeur, en fait, plus précisément du métier à coudre et surtout du mécanisme de l'aiguille, du, du piquage, et, euh, et, et qui a essayé, malgré tout, au 19e siècle, d'imposer ce, ce métier à coudre. Mais en fait, c'est une immense bataille assez sauvage, commerciale, qui l'a fait euh, tomber dans l'oubli. Donc, euh, il en est véritablement l'inventeur. Mais la preuve est dans cette mini-biographie. Et j'ai voulu euh, découdre euh, ces, ces, petites, euh, ces petits éléments que j'avais euh, trouvés là pour comprendre... Euh, pourquoi euh, il, il, il n'avait jamais réussi à, à imposer son, son invention et, et, et surtout pour euh, trouver une explication. Euh au moins politique au moins social et, et économique de cette misère en fait de ces échecs oui parce qu'il n'a pas juste pas réussi à imposer son invention c'est-à-dire qu'il a vécu dans la misère la plus totale alors que Saint-Germain que vous évoquiez est mort multimillionnaire et absolument absolument donc euh, c'est deux deux trajectoires pour quasiment une même une même invention et, et ça j'avais vraiment envie de, de, de me l'expliquer je trouvais que sur un plan euh, vraiment narratif il y avait euh, comme un un roman d'aventure à écrire ou plutôt même un roman de mésaventure, parce que ça n'est que ça, en fait. Il fait confiance aux gens et à chaque fois, il devrait pas. Et puis, il fait à nouveau confiance parce qu'il n'a pas le choix non plus. Euh, C'est-à-dire qu'il n'a voilà, pas d'argent, il s'associe à des gens plus fortunés qui lui permettent, qui lui offrent la perspective de, bah, de pouvoir diffuser euh, cette machine. Et à chaque fois, il se fait avoir, mais... Bien comme il faut. <laughs> oui, oui. oui, oui, exactement. C'est quelqu'un qui est plutôt de, 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 de bonne volonté, qui a vraiment euh, voilà, un génie. Hein. Ce n'est même pas du talent, c'est vraiment, euh, vraiment un génie pour, pour, pour cette invention. Euh, seulement, il est pris dans son siècle, un siècle auquel lui, il semble croire euh, euh, vraiment euh, euh, pleinement. Mais il est toujours freiné parce que... Euh, comme de nos jours d'ailleurs, nous on pourrait dire qu'on est dans un, dans un siècle plutôt numérique, lui c'est le siècle industriel, seulement euh, euh, imposer son invention c'est évidemment au prix en fait de rencontres et souvent de rencontres malveillantes, abusives, euh, parce qu'il euh, y, a, y a énormément d'argent euh, en jeu. Quoi. Et c'est ça qui a fait la différence avec Singer, l'argent dont il disposait à l'origine, mais également l'idée de, de Singer, l'intuition de proposer cette machine à coudre aux femmes, c'est-à-dire de ne pas se mettre à dos les, les artistes, et de plutôt être dans une, dans une communication, dans une publicité qui s'adresse euh, aux, aux femmes Oui, oui, absolument. Je pense que la grande différence, bon, bah, déjà, saint il impose, euh, il impose sa machine euh, aux femmes aux états unis et notamment à, à New York et aux alentours. Bon, bah, Barthélémy Timonier, euh, il grandit à ample puits. Bon, euh, <laughs> je pense que déjà en trempe le pied New York, il déjà euh, c'est déjà deux mondes. Et, 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 et en effet, ce sont des, des systèmes où euh, je, je raconte euh, justement, euh, en effet, dans le livre, comment ingère a réussi notamment à acquérir des brevets, euh, qui, qui sont, qui est un système extrêmement complexe, mais euh, finalement, euh, euh, lorsqu'il arrive à acquérir tous ces brevets, à les racheter il peut lui s'adresser et puis il crée une sorte de, de fable commerciale parce que son premier élan, c'est de s'adresser aux artisans, euh, aux tailleurs new-yorkais au tailleur juif new-yorkais, qui, qui, qui la repousse, oui. cette machine à coudre. Singer veut imposer absolument cette machine, donc il crée une femme en se disant « je vais l'adresser aux femmes et ça va devenir un outil euh, d'intérieur. Euh, » et, 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 et là, on voit bien qu'on n'est plus dans le domaine de l'invention, mais dans le, dans le domaine de la commercialisation, oui, et, et de la commercialisation vraiment sauvage. Il suffit finalement de trouver les bons clients pour imposer, pour imposer un objet nouveau. Et vous l'écrivez, le travail à domicile devient l'usine chez elles. Elles sont enchaînées à la machine, captives de leurs commandes qui rapportent péniblement moins de 2 francs par jour. Donc on voit comment, et c'est aussi ce qu'on va suivre avec l'invention de, de Barthélemy, comment est-ce qu'une machine qui est pensée pour libérer euh, les personnes qui travaillent, en se disant ça va alléger la charge de travail, comment est-ce qu'en fait ça devient un outil euh, au contraire qui, qui, qui aliène et qui, qui, qui permet aux grands industriels euh, d'encore plus euh, exploiter euh, les, les ouvriers, en tout cas toutes les personnes qui travaillent avec ses outils parce que lui il y croit il y croit vraiment Bar barthélemy et vous l'écrivez ça aussi il voudrait être l'inventeur qui grâce à sa mécanique allège la dureté du travail et est en réalité celui qui fournit à l'industrie le moyen d'imposer des salaires honteusement bas. C'est ça qui est dramatique aussi dans son histoire. Oui, oui, absolument. Et, et, et euh, moi, quand je, quand j'écris, j'aime bien que, j'aime bien que l'histoire euh, puisse être pétrie de contradictions. Ça m'intéresse pas tellement d'aller dans un chemin euh, A au point B en disant j'ai une vérité à énoncer. Euh, c est, c est, je trouve que c'est vraiment intéressant de soulever euh, toutes ces contradictions. Euh, et là, la contradiction, c'est qu'en effet, euh, euh, Timonier, lui, il, il, il a vu sa femme brodeuse. Euh, il sait qu'en tant que tailleur, il peine que c'est un métier extrêmement difficile manuellement et que la machine peut alléger le travail. Seulement, on est dans un siècle qui, euh, où la propriété des machines... Euh Appartient à certains, pendant que d'autres l'utilisent. Et les utilisateurs sont ceux qui sont pénalisés, puisque ce sont les, 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 les ouvriers. Et la répartition euh, du coût de, de l'économie est absolument inégalitaire. Donc, ça, c'est quand même, je trouve, assez intéressant de, de, de soulever ça. C'est-à-dire qu'on n'est jamais complètement le propriétaire de son invention. Et, et on peut être un inventeur génial en souffrant de, de, de se la voir euh, confisquée d'une certaine manière euh, par de simples. Euh, principe économique inégalitaire. Donc ça je trouve ça quand même intéressant et puis chez Singer, je trouve que quand euh, l'acquisition des machines, que ce soit euh, dans les grandes usines dans tous les pays du monde jusque dans les maisons euh, personnelles, ce que je trouve quand même assez euh, assez frappant, c'est à quel point ça, ça reflète en fait notre société à nous et notamment avec la figure de l'auto-entrepreneur, oui. euh, où on a poussé les gens en fait à, à adopter ce régime et on voit bien à quel point on a été dépossédé. Euh, par rapport à un salariat protecteur, de, de tas de protection. Euh, et avec, là encore, la fable politique, c'est-à-dire la fable de, euh, avec quelques exemples, c'est-à-dire les quelques exemples d'auto-entrepreneurs qui vont effectivement très bien s'en sortir et vraiment bénéficier de, de ce statut, qui est d'un seul coup euh, montré en exemple, alors qu'effectivement, il y a derrière euh, toutes celles et tous ceux qui ne s'en sortent pas. Et ça aussi, vous cherchez dans, dans le roman à défaire cette, cette fable politique, le mot fable revient plusieurs fois dans, dans le roman. Oui, le mot fable revient souvent dans le roman parce qu'il me semble que, que d'abord, on a fait de, 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 comment dire, des inventeurs malheureux euh, une fable émotionnelle euh, et empathique, en se disant, voilà, euh, certains voilà, sont morts dans la misère, etc., il faut rétablir leur mémoire. Moi, il me semble qu'on ne peut pas s'en tenir là. là. Là, on a une vraie fable politique qui consisterait à dire, oui, il y a beaucoup de malheureux, mais pour, comme vous dites, pour 100 malheureux, un s'en sort, et, et donc c'est déjà un bon prix à payer. Euh, il me semble qu'il faut rétablir cette, cette, cette fable, parce que sinon, on entre dans, dans la figure de l'inventeur en fait martyr, qui est très bien traité par l'historien François Jarige et qui démontent aussi euh, voilà, cette, cette fable. La réalité, c'est qu'on a un système économique et politique extrêmement cruel, extrêmement dur, qui fait tomber dans la misère, malgré eux, euh, des tas d'inventeurs, aujourd'hui d'auto-entrepreneurs. Qui, qui, qui sont une force de travail euh, en général considérable euh, mais qui s'épuisent à la tâche parce que le système ne leur permet pas en fait de, 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 de s'en sortir. donc euh, dès lors qu'on met un personnage dans son siècle on commence quand même à mieux comprendre les mécanismes qui, qui l'ont fait tomber dans cette misère. vous nous avez raconté comment vous avez découvert barthélemy timonier comment est-ce que vous avez commencé à vous renseigner à, à son propos, euh, justement quelles ont été vos, vos lectures et à partir de quel moment vous avez su, vous avez pressenti que ça pourrait être un personnage, que vous alliez pouvoir euh, lui écrire euh, sa vie. On va revenir sur cette idée de vie puisqu'on ne découvre pas toute sa vie dans, dans ce roman. C'est aussi là un choix littéraire très important, euh, un choix politique aussi. Euh, mais comment est-ce que vous vous êtes documenté et à partir de quel moment est-ce que vous avez su et est-ce qu'on sait en fait Est-ce que vous avez un petit peu testé ou est-ce qu'à un moment, ça a clairement que euh, vous vouliez le, le mettre en scène dans un roman. Euh, le désir de le, de le, de, de, de le mettre euh, en récit, euh, il arrive très tôt. Euh, en revanche, euh, j'ai quand même euh, euh, navigué pendant des années avec des grands moments de doute pour savoir si vraiment ça allait euh, fonctionner. Euh, parce que comme il fallait tout déconstruire... Euh, euh, finalement, pour ne pas justement être dans la fable de l'inventeur misérable et s'apitoyer sur ce seul sort là, euh, c'était très compliqué. Donc, il m'a fallu en effet beaucoup, beaucoup de lectures. Et à cet égard, je, je dois beaucoup, beaucoup de choses euh, à un chercheur donc, comme François Jarige, qui a beaucoup écrit sur les, sur les machines et notamment sur les luttes contre les machines et la destruction des machines. Euh, au 19e siècle, euh, sur le travail de, de Gabriel euh, Galvez-Béar, qui, qui, qui est aussi un chercheur qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur les brevets et le fonctionnement de l'acquisition des brevets avec les chaînes intermédiaires euh, euh, entre justement l'inventeur et la commercialisation, qui sont des chaînes extrêmement complexes. Euh, il m'a fallu aussi euh, euh, lire Fernand Ruth, euh, qui a écrit sur la révolte des Canuts, qu'on ne présente plus. Euh, voilà, et puis euh, il y a les travaux de toujours euh, l'immense Arlette Farge, qui a aussi beaucoup travaillé sur les conditions de vie euh, des, des artisans. Mais euh, ces, ces lectures, elles m'ont à la fois porté, à la fois euh, c'est euh, assez décourageant, parce qu'on se dit qu'on ne sera jamais à la hauteur de ces figures euh, de chercheurs. Et euh, mais, euh, mais à un moment, j'ai repris confiance et je me suis dit, bon, toi, ton domaine, c'est la littérature, c'est pas la, la recherche, c'est pas l'histoire, donc normalement, tu, on devrait réussir. Et, et il y a un moment, j'ai réussi à baliser euh, euh, vraiment l'écriture, d'abord en me disant, il faut absolument que Timonier soit toujours dans son siècle. Ça, il faut vraiment qu'on le perde jamais de vue. Ce n'est pas un personnage errant. Est, il n'est pas tout seul comme ça dans la société. Il, y a, il, il faut qu'il soit en interaction tout le temps pour que chaque mésaventure ait une, une forme explicative, disons, euh, politique, sociale et économique. Et la deuxième chose, comme je ne voulais pas me lancer dans un genre. Euh auquel je ne crois pas beaucoup, qui est l'exofiction, parce que, parce que moi je tenais à être dans, un, dans le roman, en fait. Euh, je ne voulais pas partir de sa naissance à sa mort, donc pour éviter l'aspect biographique. Donc j'ai choisi, et je crois qu'à partir de ce moment-là, ça m'a donné un peu, un peu confiance, de, de partir du début du livre, de la naissance de la machine. Euh, donc, de la naissance de l'invention jusqu'à son, son démontage euh, et d'une certaine manière sa mort, parce que la naissance de, 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 de Timonier, c'est un peu la naissance de sa machine et le fait que les deux devaient un être seul un personnage. personnage en fait. Exactement. Ouais. Il fallait que ce soit pas la vie de Timonier, il fallait que ce soit la vie de Timonier et de son invention. Et vous parliez des, des, des livres qui, que, que vous avez lus, euh, vous l'avez dit, c'est des, des personnes qui, qui, forcément, vous ont été essentielles dans, dans l'écriture de, de ce roman. À quel moment est-ce qu'on s'arrête euh, Parce que j'imagine qu'à chaque fois qu'on lit des nouvelles choses, on prend des nouvelles notes, on a des nouveaux documents, de la nouvelle documentation, on se dit Ah tiens, est-ce que ça, je pourrais l'intégrer Donc à un moment, j'imagine qu'il faut se dire Stop, je ne lis plus rien. Et je, je, je voilà, justement, je, je, je suis en train d'écrire mon roman maintenant avec tout ce que j'ai accumulé, tout ce que, tout ce que je sais maintenant. Mais il faut à un moment se, se détacher mmh. euh, de, de tout ça, j'imagine. Euh... Oui, euh, moi j'ai eu très peur d'écrire en me disant euh, je, je je vais les je vais les les, les imiter, les mimer. Euh, et puis euh, et puis à, à partir d'un certain moment, je me suis dit non. En fait, moi j'ai reçu un enseignement en fait vraiment de, de, de ces chercheurs avec avec leurs thèses, leurs recherches. Euh, euh, et j'écris avec ça en tête, avec ces notes. Euh, et, et donc j'ai assumé ce fait-là à un moment. Parce que sinon, en fait, on se dit bon, euh, j'ai un peu trop peur de prendre euh, du Fernand Rude sans m'en apercevoir. Euh, je ne voudrais pas euh, être une vulgaire plagiaire. Euh, <rire> <rire> voilà. Et donc, euh, bon. Et, et finalement, on digère tout ça. Tout est, tout, et, et, et puis, euh, je me dis que c'est un travail assez salvateur. Parce que, parce que moi, je fais rencontrer, du coup, Farge, Jarige, Galvez-Béard, Rude et d'autres. Mmh. Euh, donc, euh, je, je, je me dis qu'on n'en voudra pas trop, en fait, de, de m'être reposé. Donc, Dessus. Et il y a un moment où oui, il faut que ça s'arrête, mais finalement, jusqu'au bout, j'ai continué à, à, à lire et à prendre des, des notes, même dans, dans mes moments de, de réécriture, parce que euh, j'ai trouvé des conférences, par exemple, absolument géniales sur euh, la musique dans les expositions universelles, etc. Enfin, euh, et donc, je me suis prise un peu de, de, de passion. J'étais à la fois un peu débordée, mais je <laughs> trouvais ça aussi un peu passionnant. Et, euh, et pour tout vous dire, en fait, du coup, j'ai même pas arrêté parce que maintenant, quand euh, je, je, je lis, euh, un, je sais pas, un article de récent de, de Jarry, je me dis ah tiens là-dedans il y a du timonier. Je lis euh, voilà un article de journal sur euh, une machine à coudre quelque part dans le monde. Je me dis ah tiens ça ça aurait pu être dans le livre. Donc en fait, je m'arrête plus. Ça va passer hein, quand j'aurai euh, entamé un autre travail sûrement. Et on parle des, des lectures que vous avez eues, il y a des images aussi qui vous ont nourri, comme les temps modernes, qui vous ont accompagné dans l'écriture de, de ce roman Oui, disons que c'était... Euh, euh, disons que parfois, euh, comme on n'a pas d'image hors un portrait de, 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 de timonier, euh, Parfois, en fait, en effet, c'était vraiment des images de Charlot qui me venaient à l'esprit. En fait, quand j'écrivais, je me disais, c'est assez euh, frappant comme, euh, comme ces deux personnages. Et, et en fait, ce qui ne m'étonne pas, parce que, euh, parce que dans les Chaplines, finalement, on retrouve un siècle industriel extrêmement euh, euh, extrêmement féroce, en fait, avec un personnage qui en devient euh, presque. Euh, risible mais touchant tellement il est humain parce que il, il, est, il est il est comment dire il est ren, il est renvoyé à sa condition humaine propre c'est-à-dire à, -dire à à Peu de choses et à cet aspect mécanique, et c'est l'aspect mécanique de l'humain qui le rend risible. C'est pas le fait qu'il soit un homme et qu'il soit maladroit, c'est la façon dont on l'a transformé en machine. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose de, de, de lui. Ouais, J'ai fait un petit peu ce rapprochement sans que le film m'ait accompagné, mais comme c'est un peu dans notre culture euh, que c'est intégré, c'était des images que je, que je pouvais voir ouais, en écrivant. Et dans l'écriture, comment est-ce que vous avez amorcé le début de ce roman, puisqu'on trouve quatre prologues au début de, de ce roman Comment est-ce qu'ils sont arrivés Est-ce qu'ils étaient là dès, dès le début est que, Comment est-ce que vous avez décidé finalement bah, d'explorer quatre, 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 quatre origines en fait, à, à cette histoire euh... Alors c'est arrivé très tard en fait, c'est quasiment arrivé à la fin, parce que le vrai, le, enfin c'est pas le vrai début, mais ma première version de début, c'est la version anthropologique parce que j'avais envie de, de travailler sur la transmission. Je trouvais ça vraiment, moi je trouve, je trouve ça très touchant qu'une aiguille à chat euh, fabriquée au Paléolithique, euh, euh, soit encore utile en 2021. Il y a quand même assez peu d'objets qui ont traversé l'humanité euh, en autant de milliers de, 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 pendant tant de milliers de siècles puisque, je le disais, il euh, y a quatre euh, prologues, quatre naissances de l'idée, mmh. l'origine romantique, l'origine anthropologique, l'origine psychanalytique et l'origine politique. Voilà, c'est ça. Et, euh, et donc j'avais commencé euh, simplement par, euh, par, euh, par la version euh, anthropologique, et, euh, et c'est euh, avec une conversation de mon éditeur sur, euh, voilà, sur le texte, qui n'avait rien à voir avec, avec ça, mais du coup, quand euh, je, je l'ai repris, euh, moi-même, je me suis dit, euh, en fait, la fable euh, de, de l'inventeur euh, martyr, si on la déconstruit, il faut aussi, en fait, déconstruire l'idée de l'invention. Parce que euh, moi-même, je me posais la question, on se dit, mais comment vient l'idée C'est une vraie question, ça, quand même. Et, et quand on la pose même aux auteurs ou aux artistes, c'est quand même un sacré défi d'y de, de, répondre. Et donc, je me suis euh, amusée et je trouvais que sur un plan littéraire, c'était quand même assez. Euh, assez intéressant de se dire qu'en fait, euh, l'origine, on peut l'expliquer en effet de quatre manières différentes, et donc euh, on peut prendre ces quatre axes, et donc ces quatre débuts, mais qui finalement n'en forment qu'un, parce que les quatre se complètent, ils sont à la fois différents, mais ils se complètent. Et c'est ça qui est passionnant avec, euh, avec les inventions, euh, c'est que c'est des choses où on ne peut pas vraiment dire qu'est-ce qui, comme vous le disiez, qu'est-ce qui est à l'origine. Le fait que Singer aux États-Unis, euh, voilà, fabrique sa machine, ben voilà, il y a des choses qui sont dans l'air du temps et en fait, on a l'impression d'avoir une idée originale et en fait, c'est dans l'air du temps et d'autres personnes effectivement ont pas forcément la même idée exactement, mais en tout cas une idée qui, qui y ressemble. Oui, absolument. Et ça, c'est propre à. Il y a les travaux de Sophia Chambon-Baune, qui est anthropologue. Euh, elle écrit très bien euh, ça, où elle montre que, euh, justement, euh, en fait, il n'y a jamais qu'une invention euh, humaine. Par exemple, chez l'Homo sapiens, il y a la même invention dans plusieurs endroits du monde. Euh, à certains moments, d'où des découvertes de drogue, de, de grottes, pardon, et non de drogues, <laughs> de grottes euh, dans plusieurs endroits du monde avec des outils assez semblables en fait. Pour la machine à coudre, c'est exactement la même chose euh, et c'est notamment, ça rejoint l'histoire de, 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 de Saint-Ger, c'est-à-dire que Timonier, il invente quelque chose dans son coin en pleupuis. Bon, bah, au milieu du 19e siècle, il ne peut pas être au courant qu'un autre Américain. Euh, Travaille sur ce mécanisme. Et, et Orsinger, lui, il hérite d'un mécanisme qui a été inventé, mais qui a été inventé en fait par, un, par Hunt, qui est un autre. Euh, inventeur américain. Donc il spolie euh, d'une certaine manière euh, le travail de Hunt et de Timonier. Mais quasiment, on peut dire, euh, Hunt, lui, il le fait quasiment en même temps que, que, que Timonier. C'est vraiment une chronologie du brevet. Du coup, c'est ça qui est important. C'est-à-dire au moment où on dépose le brevet, c'est le brevet qui, qui définira le premier, euh, le premier inventeur. Sauf que c'est très délicat parce que pour déposer un brevet, c'est extrêmement compliqué. Ce que je raconte aussi. Et, et, et donc voilà, mais, mais, mais ça, je trouve que c'est intéressant dans, dans, dans l'invention de se dire qu'en fait, plusieurs hommes y ont pensé. Et on pourrait très bien écrire euh, une autre vie d'inventeur de la machine à coudre, mais le fait est qu'on a quand même des documents officiels donc, qui euh, témoignent que, que Timonier est vraiment le premier pour le coup et que ça lui est attribué. On parlait de, de l'écriture, vous nous avez dit qu'à l'origine de, de ce roman, il y a euh, votre mère, euh, la machine à coudre qui était au milieu de, de la pièce, le fait de, de la voir, et on lit euh, votre regard justement sur votre mère dans ce roman à travers des textes qui sont en italique et qui sont euh, disséminés euh, dans, dans le texte, qui viennent, qui viennent créer une, une rupture par moment, euh, où d'un seul coup, on est vraiment avec vous. Euh, comment est-ce que vous avez euh, intégré... Euh, ces passages à votre récit. Je crois savoir qu'au début, dans une première version, euh, il n'apparaissait presque pas. Il n'y avait qu'un passage sur euh, l'acquisition euh, de, mm -hmm. de cette machine à coudre. Comment est-ce que finalement, vous avez intégré ces, ces passages et comment est-ce que vous les avez, euh, comment que les, vous les avez pensés euh, J'ai lu que, que vous les aviez pensés comme des papiers griffonnés ou des photographies oubliées dans un livre. Je trouve ça très, très beau comme image. Merci, euh, Sonia. Euh, <coughs> oui, c'est vraiment ça. C'est l'idée de, de, de cartes postales qu'on aurait pu glisser vraiment, d'images de souvenirs. Euh, j'avais pas envie que ça prenne trop de place parce que j'avais déjà écrit euh, des livres euh, finalement euh, assez euh, personnels mais quand même à dimension euh, publique euh, euh, et politique euh, précédemment. Euh, et donc j'avais glissé seulement en effet un passage sur l'acquisition et le voyage de, 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 la, de, de la singère de, de ma mère, parce que c'était à l'origine de de, de, du livre. En fait. Donc j'avais vraiment envie que ce soit dans le livre, parce que j'avais envie qu'on comprenne aussi que ça venait d'une conversation, et en plus que ça venait du coup de la singère, mm. parce que du coup ça, ça, je, je, voilà, je, je trouvais que c'était assez pertinent de, de revenir là-dessus. Euh, et sur une première conversation avec mon éditeur, lui ce passage, il l'aimait vraiment beaucoup. Et, euh, et il me disait de pousser, de pousser ces, cette idée. Euh, voilà. Donc je savais pas comment, euh, comment j'allais la pousser mmh. <laughs> et l'intégrer. Mais euh, finalement très rapidement, l'idée qu'en effet d'insérer des, 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 comme ça des souvenirs, des images euh, assez progressives sur une temporalité euh, du coup qui voilà évolutive de l'enfance jusqu'à euh, l'absence de, de, de ma mère. Euh, voilà, en relisant en fait mon manuscrit, ça s'est quasiment imposé, j'ai pas eu de difficulté, j'avais pas l'impression d'entrer dans le texte avec quelque chose de trop... Euh de trop intime, de trop le bousculer. Bien au contraire, je trouvais qu'en fait, euh, ça marchait, euh, ça, ça fonctionnait très bien sur un plan narratif et ça donnait presque de l'épaisseur à Timonier et, sur, à, et, à, et à sa machine, en fait. Ça donne de l'importance à la machine. Oui, exactement. Voit bien à quel ouais. point, justement, lui, vous disiez, vous l'avez traité comme un seul et même personnage. On voit comme euh, votre, votre mère et la machine aussi, euh, à un moment, sont, sont très liées dans, dans les souvenirs que, mmh. que vous avez. Oui, exactement. C'est vraiment ça. C'est l'idée que, enfin, vous, vous me le révélez maintenant, mais c'est vrai que c'est ça. J'étais vraiment euh, obsédée moi par l'idée que mon personnage ce serait Timonier et sa machine. Sur ma mère, ça m'était moins euh, euh, apparu, mais c'est vrai que c'est exactement ça. Il fallait toujours qu'elle soit liée à la machine parce que moi, j'ai vraiment des, des souvenirs d'elle vraiment euh, 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 avec la machine, et, et toutes les deux ne font. Qu quoi et je, je et, et voilà je, je, je trouvais que c'était ça, ça donnait euh, oui de, de, de l'épaisseur et je trouvais que c'était aussi une manière de travailler le fil de la transmission et du coup le caractère anthropologique euh, de, 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 de la narration euh, parce que voilà on a inventé l'aiguille à achat au paléolithique et on sait qu'encore aujourd'hui euh, la machine euh, voilà a, 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 a parcouru a parcouru les siècles et c'est aussi, euh, du coup, en creux, un, un hommage euh, à votre mère, à ses gestes. Et vous décrivez comment, à 35 ans, vous vous êtes mise, mise à apprendre à utiliser euh, cette machine. Et vous parliez de ces gestes. Dans le roman, je vous cite, vous écrivez Je veux pouvoir les acquérir pour que ces gestes me traversent comme un héritage purement physique, exclusivement technique. Là aussi, c'est donner de, de la force à la machine, de voir comment est-ce qu'on peut être lié aux êtres chers par, euh, par cette machine, par la mécanique, par des objets euh, qui, qui nous relient entre nous. Oui, et je trouve qu'en plus, là encore, c'est une contradiction moi, que je trouve intéressante parce que... Euh, euh on a beau être dans un siècle industriel où la machine prend énormément de place et on sait que d'une certaine manière elle est source de souffrance et d'inégalités extrêmement violentes sur un plan économique. Euh, cela étant, euh, la machine a vraiment une valeur sentimentale, sensorielle, extrêmement importante. Et je trouve que c'est là, une... moi j'aime toujours écrire dans la contradiction. Et je trouve que soulever ça, c'est aussi une manière de se dire, c'est vraiment un objet euh, finalement symbole de toutes les horreurs et de tout ce qu'on pourrait rejeter euh, politiquement. Euh, néanmoins, ce qui reste de, 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 de mon enfance euh, et, et, et de ma mère, c'est qu'elle était extrêmement douée. Euh, pour la couture, quelque chose qu'elle a acquis euh, en plus euh, euh, seule. Et, euh, et euh, bon, comme on avait beaucoup d'écart d'âge, moi, elle n'a pas pu m'apprendre, mais j'ai eu envie à un moment, en effet, de me dire euh, j'ai envie d'avoir quelque chose d'elle. Et donc, j'ai pris des cours pour au moins avoir les bases et ensuite euh, le faire toute seule. Je suis une piètre couturière, mais enfin, je, je sais maintenant me servir d'une machine à coudre et ça me suffit amplement pour me dire que, que ouais, je partage quelque chose. Puis c'est quand on grandit on s'aperçoit on que, que l'enfance prend de plus en plus de place et que comme on n'a pas trop envie que, que ça s'efface on va chercher des choses pour les maintenir dans notre, dans, dans notre voilà dans notre esprit et, et donc je me disais que d'acquérir ces gestes c'était une manière de, que, que l'enfance ne s'efface pas complètement et vous racontez, effectivement, il y a quelque chose de très poétique et très beau quand vous décrivez ces gestes, et tout en disant que euh, bah, vous, enfants, euh, effectivement, le, le dimanche, normalement, on ne touchait pas à la machine à coudre, et le dimanche, eh bien, vous, vous sautiez sur votre mère en disant Mais non, il y a ça à repriser, il y a ça, il y, y, y a une couture à faire, il y, y a quelque chose, et de, avec le recul, voir comment, bien évidemment, euh, ce n'était pas, euh, pas une ouvrière euh, à proprement parler, oui. comme les, les ouvriers et les ouvrières qu'il y a dans, dans votre roman, mais, mais le parallèle est intéressant de se dire que même au, au sein de, de la cité, Familiale en fait, ça peut être un asservissement, oui, absolument, oui, il y avait vraiment. Euh quelque chose de, de, de cet ordre, à la fois quelque chose qui rend énormément service, parce qu'on peut, on peut faire des, des habits magnifiques pour soi, mais en effet, il y a quelque chose où, où la machine, en fait, était... enfin Moi, j'ai le souvenir de l'avoir entendue quasiment en permanence, et les jours où ma mère s'accordait un temps de repos, euh, bon, bah, les, les, les enfants sont toujours un peu ingrats, euh, voilà, venaient toujours réclamer quelque chose, euh, un, un raccommodage, une nouvelle pièce, euh, et euh, bon, bah, la gentillesse de la mère fait qu'elle se lève et qu'elle qu'elle bah, euh, va à la machine, mais voilà, c'était, euh, voilà, pour témoigner du fait qu'en effet la machine prend énormément de place et qu'elle est, qu'elle qu était toujours présente. Et j'ai et, et des retours là de, de lectrices, de lecteurs qui me disent que c'est exactement la même chose en fait. Et, et là, pour le coup, Saint Ger a vraiment réussi son coup quoi. C'est vraiment une machine dont on se, dont on ne se passait plus quoi. Mais vous faites aussi le parallèle avec aujourd'hui, puisque quand vous décrivez votre apprentissage euh, de, de tout ça, euh, vous expliquez euh, la, la promotion du, du do-it-yourself, et qui en fait, derrière, sous couvert de dire c'est génial, vous pouvez fabriquer tout ce que vous voulez parce que vous allez avoir des pièces uniques, derrière, c'est quand même le euh, démerdez-vous. Oui, c'est ça, c'est la, la définition. Bah, c'est un peu, oui, la définition, à mon avis, euh, du, du, du do-it-yourself, en fait. Hein. C'est plutôt, oui, débrouillez-vous plutôt que faites par vous-même, je pense, la, la traduction euh, officielle. Et euh, oui, je pense que, je pense que ça, c'est la version, pour le coup, euh, euh, de la commercialisation euh, euh, sauvage et de... de de la pensée euh, politique, euh, disons, euh, ultralibérale, euh, qui avait déjà commencé avec saint ger en fait. Et aujourd'hui, euh, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on peut tout faire soi-même, euh, sauf que l'idée n'est pas, pas qu'on fasse euh, euh, les choses soi-même, c'est qu'on les fasse ensemble pour faire société. Ce serait ça, un vrai projet euh, politique d'intégration des machines, mais de la même manière qu'on intégrerait aujourd'hui l'outil, euh, comme on dit, euh, l'outil numérique, les ordinateurs, l'idée n'est pas, pas de l'intégrer pour qu'on puisse se débrouiller seul. L'idée est qu'ils qu nous permettent, en fait, d'évoluer socialement tous ensemble, en fait. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Sinon, sinon, on est dans, une, dans, dans un objectif plutôt de survie euh, individuelle, ce qui ne me semble pas être un projet politique et, et, et humain euh, Enfin franchement très réjouissant. quoi. Et vous parlez de, de l'emploi des mots, et c'est quelque chose d'important, et c'est ce que vous cherchez aussi à faire dans À la machine, c'est-à-dire c'est ce que peut la littérature euh, mettre les bons mots, euh, et on revient sur cette idée de fable, mais d'un seul coup de, de, de dire ce qu'il y a derrière et de, de dire les mots justes sur, pour décrire une réalité. Oui, ouais, ouais, moi je, je, je suis assez, euh, assez contente, en fait, de, c'est ce qui, je crois, me me réconcilie vraiment avec le monde d'écrire parce que je crois que là on a vraiment un espace pour euh, non pas protéger les mots pour qu'ils n'évoluent pas etc bien au contraire ils, ils ont une vie qui est très longue et, et ils sont protéiformes et il faut les utiliser comme tels euh, en revanche il me semble que la littérature là doit être euh, enfin, en tout cas permet d'être une forme d'espace de lutte contre un, un lexique euh, qu'on qualifiera euh, rapidement de, de managériale qui, euh, qui, moi, me, me, me hérisse, qui, je trouve, fait énormément de dégâts euh, socialement, euh, et encore une fois, économiquement, politiquement, jusque dans les familles. Hein. Et il euh, y a énormément de mots, par exemple, moi, que je me refuse à utiliser. En fait, ils ont été intégrés euh, comme s'adapter. S'adapter, c'est un mot que j'utilise plus, je me refuse à, 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 à l'employer parce qu'on le voit partout, on le voit dans les annonces de Pôle emploi, on, on l'entend dans les bouches des, 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 de, de, ceux qui, de ceux qui gouvernent et, et, et il est devenu en fait un mot symbolique pour nous dire qu'il faut se débrouiller en fait, parce que c'est ça. Et, et toujours se rappeler que voilà, le, les, les mots ont un sens, mais dès lors qu'ils sont employés pour être dévoyés, pour arriver à des fins politiques extrêmement inégalitaires, là, ça me semble quand même urgent d'être <coughs> dans une réaction euh, d'écriture et une réaction, euh, euh, j'ai envie de dire, quasiment sémantique. Et moi, j'ai le sentiment que les auteurs, pour beaucoup d'entre nous, parce que, par exemple, je pense que c'est le cas de, de, de Nicolas Mathieu, de... De, de plein d'autres auteurs, c'est son nom qui me vient là, mais il euh, y, y, y en a beaucoup d'autres, où on a vraiment le sentiment qu'on a une responsabilité sémantique, et ça, il faut absolument s'y attacher, parce que c'est par les mots aussi qu'on qu pourra construire un sens commun à, à, une, à une formation de, de la société. Et c'est en ce sens-là que, que la littérature est politique, même quand les récits ne sont pas forcément directement politiques oui, 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 moi je pense qu'on euh, peut, euh, peut tout évoquer, on peut euh, même évoquer. Euh euh, une voiture qui roule dans une ville, je pense que euh, même si on faisait qu'un livre là-dessus, je pense qu'il y a toujours une dimension politique. Euh, D'abord parce que, parce que la littérature, c'est une forme de représentation. Et qu'à partir du moment où on, où on représente quelque chose, ça passe par nous, ça passe par notre filtre, par ce qu'on est, par ce qu'on a vécu, par ce qu'on a vu, euh, par, qu par, ce, par, 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 par nos souhaits, nos, nos souhaits politiques. Et. Euh, et à cet égard, euh, moi, il me semble qu'il n'y a pas de littérature qui, qui, qui ne soit pas politique. Quoi. Je pense qu'il y a toujours un sens, un désir. Et, euh, et, et, et oui, comme je le disais, une responsabilité quasiment sémantique de se dire, euh, c'est ces mots-là qu'on veut employer, pas parce qu'on veut avoir raison, mais parce que c'est l'horizon euh, de la société qu'on veut atteindre, en fait, et qu'on voudrait préserver il y a dans, dans ce roman une scène il y a beaucoup de scènes qui, qui sont marquantes mais il y a notamment une scène de procès euh, où j'y pense là parce qu'il y a cette question de, de regard de, de différentes personnes qui parlent et de voir comment est-ce qu'un événement une chose ben voilà est, est perçu et euh, vécu surtout euh, par euh, différentes personnes. C'est le moment où l'atelier où il y a les machines euh, de euh, timonier euh, est pillé, ou en tout cas les machines sont, sont démontées, et donc il y a le procès des, des artisans qui sont soupçonnés euh, d'avoir euh, démonté ces machines. Comment est-ce que euh, vous avez euh, travaillé euh, ce passage Est-ce que ce passage que je trouve, moi, très important dans le roman, est aussi un passage pour vous très important euh, dans l'écriture même de, de ce roman il est, euh, il est extrêmement euh, important, euh, notamment parce que. En fait, on ne sait pas si ces machines ont vraiment été détruites. Et, euh, et donc, moi, j'ai dû faire un choix narratif. Je me suis dit, oui, mais alors, si, on, si elles n'ont pas été détruites, et que je fais une scène de, 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 de procès, ça n'a pas de sens, si je dis qu'elles ont été détruites en sachant que peut-être on ne sait pas si elles ont été détruites, je mens. <laughs> ce qui est peut-être pire, parce que je ne peux pas me servir de ces personnages qui auraient été arrêtés comme ça. Donc, j'essaye de jouer avec cette réalité, avec ce trouble. Euh, qui, qui, est, qui est dans les archives, en me disant, admettons que c'était ça, moi, il me plaît à l'imaginer ce qui s'est passé dans, dans, dans ce procès. Et en effet, là, pour moi, c'est vraiment euh, un passage important que je me suis beaucoup amusée à écrire, malgré son aspect extrêmement euh, euh, tragique, euh, parce que ça permettait de confronter notamment plusieurs versions euh, qui sont que les artisans détruisent les machines parce qu'ils s'opposent au progrès, parce qu'ils sont ignorants. Ce qui est en fait une fable. Euh, de la même manière, on nous dit aujourd'hui, ceux qui s'opposent à l'outil numérique ou au progrès de telle ou telle chose, euh, c'est parce qu'il faut euh, bah, il faut vous adapter précisément. Voilà, on va, ce sera leur mot. Et donc on voit bien que quand même là-dessous, il y a une embrouille. On se dit, mais non, ça peut pas être que ça. S'il y a une opposition, il faut toujours comprendre les termes de l'opposition. Et l'opposition, elle est beaucoup plus intelligente que ça. C'est qu'en fait, il y a des, euh, elle, est, euh, elle, elle cache des inégalités, un, une, une répartition du travail qui ne serait pas égale, que les transitions ne peuvent pas, entre le manuel et le technique, ne peuvent pas se faire euh, d'un seul pan. Euh, il, il faut des, des, des transitions et il faut garder. Certes... Euh, moi, l'argument de se dire, par exemple, on fait des, 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 des vêtements militaires mais en fait qui ne tiennent pas, donc on ne peut pas avoir une armée euh, si on commence à leur dire qu'on les coupe à la machine, enfin bonjour l'idée du progrès là-dessus, et en plus c'est sur l'armée qui est censée quand même incarner un certain prestige et l'idée de la défense d'une nation, donc je trouve ça quand même assez passionnant de se dire en effet, en fait là encore il y a beaucoup de contradictions, et ça permet aussi de rétablir, euh, voilà, cette, cette, comment dire, cette vérité que les artisans en fait sont des gens très éduqués et qui savent très bien en fait pourquoi ils, ils ne s'opposent pas aux machines ils contestent la façon dont on les utilise ce qui est, et, 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 et notamment leur utilité, leur, comment dire, leur, leur utilité à des fins politiques et économiques ce qui n'est pas exactement la même chose que de penser que ce sont de simples euh, sauvages qui, qui cassent tout quoi. Et il y a euh, cette, euh, cette, euh, cette phrase qui est reprise, pas de misère, pas de colère, qui fait aussi écho à des, des, des choses qui se passent aujourd'hui euh, aujourd en France, et de, de se dire effectivement, on peut pas euh, comme ça opprimer. Euh, enfin, on peut, la preuve puisque ça existe, mais oppresser euh, les, les gens et s'attendre à ce que euh, tout le monde sagement, euh, euh, dans son coin, euh, continue à faire comme si de, de rien n'était. Oui, oui, non, mais c'est ça, absolument. Cette phrase, elle m'est venue un petit peu comme ça, elle sonnait bien. Euh, mais moi, je crois que je l'ai appris euh, d'abord par ma propre vie auprès de auprès de mes parents, bien que je n'ai pas eu une vie euh, misérable à proprement parler. Enfin, on a rencontré mes parents ont rencontré du fait de l'exil des difficultés parfois matérielles et, et et financières. Mais je crois que je l'ai surtout appris. Moi, j'ai été enseignante. Pendant une dizaine d'années, j'ai enseigné dans, dans et enfin, d'ailleurs, on n'a pas besoin d'enseigner dans des, dans des quartiers isolés ou, euh, ou comme on dit, euh, difficiles, pour s'en rendre compte, mais on a toujours des élèves dans, dans, dans des classes qui ne euh, mangent pas à leur faim et qui sont dans des situations euh, familiales où les parents euh, peinent vraiment euh, euh, <coughs> à, à, à joindre les deux bouts. Et, euh, et je me suis toujours rendu compte qu'en fait, euh, les enfants qui étaient... Euh, Toujours un peu ailleurs, un peu contestataire. C'était quand même des enfants qui étaient, qui, qui étaient dans une souffrance, mais pas psychologique. Ils étaient d'abord dans une souffrance matérielle, en fait. Et un enfant qui mange pas à sa fin, c'est un enfant qui est énervé. Et en fait, il a tous les droits d'être en colère. Et je trouve que c'est déjà un bon point de départ pour. Enfin, ça devrait être un bon point de départ pour résoudre quelques déséquilibres politiques. De se poser cette question là et, euh, et en france euh, voilà tout récemment de toute façon on a eu les gilets jaunes mais euh, c est... C est... voilà mais c'est le cas je pense de, de, de beaucoup de, de, de contestations hein. il y a eu il y a eu déjà des, des manifestations contre la loi travail enfin euh, contre contre les réformes de, 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 de pôle emploi par exemple il apparaît évident que dès lors qu'on s'attaque en fait euh, au quotidien euh, des des individus dans une société qui les rend plus pauvres ou qui les précarise en tout cas on peut pas rester enfin euh, ça ne peut pas ne pas provoquer de colère ça me paraît enfin ou alors on est arrivé à un point de dictature qui serait euh, très très inquiétant mais c'est plutôt sain en fait que les gens s'énervent pour dire qu'ils n'ont plus rien à manger je, je, ça, ça me paraît plutôt humain <laughs> et ce qu'est devenu aujourd'hui euh, la maison de de Barthélemy euh, Timonier, euh, vous l'écrivez dans, dans le roman, finalement correspond euh, assez bien à ce qu'a été euh, sa vie et ça a beaucoup de sens, c'est-à-dire qu'il y a le musée et dans la rue qui porte son nom en contrebas, il y a sa, sa maison qui aujourd'hui sert de, de refuge. Oui, voilà, alors ça c'est quelque chose qu'on m'avait glissé euh, euh, pendant, euh, pendant ma résidence, c'était un peu officieux. Mais on sait très bien qu'il ne faut pas dire grand chose aux auteurs parce qu'ils ont un peu tendance à tout réutiliser, donc je sais pas trop oui, si. Oui, mais il je... y a une confiance immédiate avec les auteurs <laughs> où on a l'impression que ça ne pourra pas ressortir voilà. qu'il y a le, le secret alors qu'en réalité ouais, c'est ça. Donc euh, sa maison c'est sa maison. Il hein. y, y a un prototype de sa machine en fer euh, devant. On je crois qu'il y a des images hein, sur Internet, on peut la, on peut la trouver. Euh, voilà, donc c'est voilà, une, 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 petite, une petite maison. Donc, la, la mairie l'a pas transformée, mais le maire... Bon, c'est un tout petit village hein, qui est perché dans la vallée du Rhône. C'est... Voilà, c'est... Mais visiblement, le maire, lui, a fait ce choix parfois de, de, de glisser ses clés pour abriter temporairement et exceptionnellement. Donc, c'est 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 pas comme si ça avait été transformé en refuge ou etc. Mais j'avais trouvé ça vraiment touchant quand on quand on l'avait glissé et, et je trouvais qu'encore une fois, c'était un peu quand même rendre honneur à à, à Timonier que de, que de dire ce qu'a été sa maison, parce qu'elle a vécu plusieurs, euh, plusieurs choses, puisqu'il y, y a une association qui l'avait d'abord investi pour y, pour y mettre des, des, des machines de toutes sortes. Puis les machines ont été transposées en, fait en face à l'hôpital, qui est devenu le musée de la machine à coudre et du cycle, le, le musée Barthélémy Timonier. Mais voilà, je trouvais que cette maison qui était en face, qu'elle qu n'ait pas été délaissée, enfin, moi j'ai trouvé ça assez touchant de savoir que... Euh, un, un, voilà, un homme politique, un maire est décidé de, de se dire, bah, voilà, autant qu'elles ne servent pas à rien. Enfin, je me dis qu'en fait, si toutes les maisons de, de ceux qui, comme la maison Victor Hugo, si toutes les maisons, en fait, de, des auteurs qui ont lutté contre la misère servaient à ça, je trouve que c'est, je, je trouve ça, je trouve ça vraiment émouvant. Moi, je trouve ça vraiment beau. Depuis tout à l'heure, on parle de, de ce roman à la machine. On voit qu'il euh, y a énormément de choses... Euh... Qui sont charriés dans, dans ce roman, à la fois sur la, la vie de Barthélémy Timonier, sur, sur la société de l'époque, sur votre histoire à vous. Et pourtant, c'est un livre qui n'est pas très épais, euh, un peu moins de, de 200 pages. Euh, comment est-ce que euh, vous l'avez travaillé euh, Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a l'impression, quand on ressort de cette lecture, effectivement, d'avoir reçu. Énormément, alors qu'il se lit finalement assez rapidement. Est-ce que ça a été un, un long travail de réussir justement à être dans cette économie euh, de mots Mais même cette scène de procès qu'on évoquait où ça aurait pu partir dans un procès fleuve avec des, mmh. des, 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 des plaidoiries euh, très longues. Là, en l'occurrence, c'est à chaque fois des passages très courts et très marquants. Euh, et on sait bien que pour euh, arriver à une certaine simplicité, euh, ça demande énormément euh, de travail, parfois, pour certains en tout cas. Euh, est-ce que ça a été le cas pour vous Est-ce que pour arriver finalement à cette forme finale du, du roman, il a fallu beaucoup euh, retravailler l'écriture, repasser derrière, couper des, des choses Ou est-ce que finalement ça a été assez euh, naturel dans, dans l'écriture même euh, Je ne saurais pas trop vous répondre. À, 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 enfin, je, je vais essayer, hein, mais je ne sa saurais pas trop vous répondre parce que. Fin... Euh, moi, je ne me dis pas, euh, je vais faire un grand roman sur la vie de Enfin, Ça ne serait pas la question de s'y perdre, mais euh, moi, j'écris ce que j'ai à écrire. Une fois que c'est terminé, c'est terminé. Après, si ça fait moins de 200 pages, euh, ça fait moins de 200 pages. On me le disait aussi pour pouler on me disait, oui, c'est un livre très court, finalement, il se passe plein de choses. Bah, oui, mais moi, quand j'écris, je n'écris voilà, pas en, en termes de signes. J'ai mon roman euh, euh, mentalement, d'abord, je le promène partout. Et voilà. Alors après, les oui, choix je se pourrais... font, euh, à l'écriture même. Mais voilà, Ça, en fait, euh, il faut que les choses glissent. Donc euh, euh, voilà, on les met. Après, euh, moi, j'avais plein de notes. Peut-être que si euh, si j'avais eu envie, peut-être, de... peut-être hein, peut que j'aurais pu me dire, je, je m'arrête, je le reprendrai dans six mois, et peut-être que j'aurais retravaillé, augmenté le récit. Moi, c'est un, un texte que j'ai que en tête, en tout cas depuis cinq ans. Il fallait un moment que ça s'arrête, euh, et, euh, et j'ai pas écrit pendant cinq ans. Mais en tout cas, voilà, j'avais des lectures, j'y pensais tout le temps. J'avais vraiment des questionnements euh, narratifs, littéraires, vraiment pesants. Quoi, me dire comment j'enchaîne ça avec ça, et ça, il faudrait que ça y soit. Mais enfin. Euh, donc, il euh, y a un moment quand la charpente elle tient. Euh, il vaut mieux que la maison soit petite et solide que grande et, et branlante. J'ai envie de dire. Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, et, 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 et je pense que. En littérature, c'est très difficile de, de, de faire d'évaluer un roman à sa à son nombre de signes ou à son à sa longueur. C'est surtout hein. que vu le sujet, on se dit il y a tellement de, de choses mmh. à raconter qu'on peut imaginer ça compliqué justement de se dire de pas perdre le fil justement de ce qu'on a envie de raconter oui. vraiment et de se dire c'est vraiment juste ça que, que j'ai envie de raconter et de pas se perdre en lisant des biographies ou d'autres oui. choses oui. en disant oh, je peux rajouter ça parce que oui, quand même oui. c'est sympa de le oui. raconter. C'est aussi non, ça. Non mais le... c'est vrai que j'aurais pu me voilà oui c'est vrai que j'aurais pu me perdre par exemple à la naissance. Timonier, par exemple, euh, sa vie ne se limite pas, euh, en fait, à son mariage avec, avec Madeleine et à son fils Étienne, parce qu'en fait, il a été marié auparavant. Il a eu des enfants, en fait, d'un premier mariage, et sa femme, est, et, et sa première femme, en fait, est, est décédée, je crois. Je crois qu'elle est morte en couche, mais je ne suis pas sûre. J'aurais très bien pu, moi, reprendre tout ça, mais ce n'était pas mon principe narratif premier. Moi, euh, sinon, j'étais dans une biographie, j'aurais pu réinvestir plein de choses historiques, ça m'ennuie un peu d'avoir à reprendre des choses historiques pour les traduire euh, de manière romanesque. Pour moi, ça n'avait aucun intérêt de me dire, je vais construire cette relation avec son fils parce que c'est le fils avec lequel il a eu le plus d'échanges. Et son fils devenant militaire euh, et, et devant s'attacher en fait. À ce statut pour ne pas revenir à un statut de, de misère, je trouvais ça quand même assez passionnant. Je trouvais Sachant la figure de la brodeuse. C'était euh... coupé les doigts pour échapper absolument, euh, justement, absolument. à l'engagement. Voilà, ça, je trouvais que c'était une correspondance vraiment, euh, vraiment passionnante. Donc, j'aurais pu en effet élargir et raconter plein de choses. Moi, j'ai pris un axe, j'ai fait un choix. Euh, voilà, et enfin, moi, je, je sais que j'ai des, des, des ouvrages. Euh, Autant, voilà, je peux adorer, le, par exemple, le dernier roman de, de, de Mauvigné, hein, qui est un, un immense labyrinthe, et c'est époustouflant. Mais, euh, mais moi, dans mes livres préférés, j'ai aussi Construire un feu de Jack London, et ça fait 30 pages. Donc. Euh, il n'y a pas de... Enfin, pour moi, en littérature, on ne peut pas se dire, j'écris un grand roman ou un long. Ce serait synonyme d'un long roman. <laughs> moi, j'écris ce que j'ai à écrire. il y a... Voilà. C'est voilà. extrêmement euh, réussi à la machine. Euh, vous disiez, on évoquait au tout départ euh, l'aspect sentimental. On disait, euh, Barthélémy vous a eu parce qu'il y avait ce lien avec votre mère, parce qu'aussi sa vie a fait que euh, vous vous disiez ah tiens, quand même, il y a quelque chose où on s'attache à ce, ce personnage qui n'a qu qu pas de chance en fait et qui, qui 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 est trop honnête par rapport à d'autres qu'il qu rencontre. Euh, vos précédents romans aussi étaient étaient encore plus directement euh, très très personnels. Dans, dans l'écriture, le, le déclic d'écriture vient toujours de, de, de quelque chose de sentimental. Il y a, be, il y a besoin de, de s'accrocher euh, vraiment à, à, à son sujet. Euh, J'imagine que pour y passer cinq ans justement, il faut au-delà de ça euh, vraiment, euh, voilà, se, se plonger complètement et être happé et être, et être intéressé et avoir envie de, 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 de raconter ça. Mais, mais il y a dans, dans cette idée de déclic toujours euh, cette chose très, très personnelle euh, Moi, je ne saurais pas trop vous dire. Moi, quand j'ai écrit sur Timonier, c'est vrai qu'il y avait le lien de cette conversation avec ma mère. Comme je le disais tout à l'heure, les, les passages qui la concernent sur la... Euh, euh, sont arrivés finalement assez tard parce que justement moi à un moment je m'étais dit euh, euh, pour le dire rapidement arrête d'écrire sur toi euh, voilà écrire sur quelqu'un d'autre <laughs> ce que c'est un, euh, voilà, un peu gênant aussi peut-être euh, mais bon euh, finalement ça m'a rattrapé et mon éditeur ouais. m'a rattrapé en fait parce qu'il m'a dit moi j'ai vu lignes et je trouve que tu devrais pousser de, 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 de ce petit côté là tout après des petits passages et oui <laughs> voilà donc euh, voilà on y, on, y, on y vient toujours après euh, je crois trouver un équilibre assez sobre entre euh, l'intime, en fait, que oui, je comprends. rends toujours public. Euh, pour moi, euh, l'intime est une question politique. Il faut trouver cet équilibre. Je crois que je m'en sors pas trop mal. Donc, je me permets. Donc, je de peux le dire faire. que vous vous en sortez très bien. <laughs> Merci, Sonia. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, à, à dire vrai, c'est vrai que euh, D c'était sur ma saison en amateur dans un club de, de, de football. Avec, avec des filles euh, de mémoire. Donc, c'était sur une expérience de tentative de viol vécue. Mais en fait, jamais un, euh, ça n'a jamais été un besoin euh, de me dire j'écris, euh, il faut que j'écrive là-dessus. Euh, comme je l'ai dit dans des interviews, par exemple, pour de mémoire, euh, moi, c'est vraiment à la fin du procès. Quelque chose m'est apparu où je me disais, mais c'est fou comme c'est littéraire, en fait, cette histoire de, de toujours faire répéter, en fait, euh, aux, aux, à celles qui ont le statut de victime, ce récit sans cesse, sans cesse. Et je me disais, mais c'est en fait, ça, ça, ça c'est un moteur littéraire. Je devrais écrire là-dessus. Ce livre, il n'était pas du tout prévu. Et je l'ai écrit alors que je devais écrire sur À la machine. Donc j'ai intercalé là. Et, et pour Poulldé, c'est pareil. Je n'avais pas envie d'écrire sur le, le, sur le football. Euh, il s'est trouvé que moi je voulais écrire un roman drôle. C'est toujours ce que je dis. Je voulais écrire un roman comique, mais j'avais pas vraiment de moteur encore euh, narratif. Il s'est trouvé qu'en qu intégrant ce club, je me suis dit mais en fait voilà. Ça, enfin ça c'est ça c'est drôle. En plus c'est politique. Enfin voilà, on peut aborder beaucoup de choses. Et mon tout tout premier livre qui était un roman pour la jeunesse pour le coup n'a rien à voir avec moi. C'est vrai, je n'ai pas <laughs> cité celui-là. Donc, euh, je n'avais pas commencé par parler de moi, en fait. Mais il y a cette, cette notion politique et aussi une notion de liberté qui revient euh, beaucoup dans, dans vos romans, euh, l'importance de, de la liberté. Merci beaucoup, euh, bah, merci Yannina, d'avoir été vraiment. avec nous merci à La Machine. pour l'invitation. C'est publié aux éditions Gallimard, euh, collection L'Arbalète, et je vous le recommande à toutes et à tous euh, très chaleureusement. Merci, merci Sonia. C'était super d'être à vos côtés. Merci beaucoup.